Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis du personnage Roi de la Rouille. Alors, première chose que vous devrez faire, c'est aller parler au personnage Roi de la Rouille qui se trouve au-dessus de... Non, à côté gauche de Dirty Docks, donc juste ici, dans la petite casse à ferraille. Donc voilà, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là et le personnage se trouvera en plein milieu. Là, on ne le voit pas encore, mais il va pas tarder à apparaître normalement. Logiquement, ah ouais, c'est bon. Il a apparu, donc il est juste là. Donc vous allez parler à ce personnage pour activer le défi, enfin le combo de 5 quêtes. Donc voilà, là j'accepte les 5 quêtes. Maintenant le premier défi va me demander d'obtenir du bois, de la pierre et du métal. Donc déjà de 1, je vais obtenir du métal, voilà. Du bois, je casse la niche. Il me faut de la pierre, je casse le mur et ça me donne de la pierre. Alors maintenant, le deuxième défi va me demander de construire des structures à Cornycrops ou à Weeping Woods. Donc moi, je vais aller à Cornycrops. Donc Cornycrops, c'est la ferme là-bas. Évidemment, il y a un ennemi, il ne veut pas me lâcher. Alors Cornycrops, c'est juste ici. Donc je vais aller construire là-bas. Ou alors, vous pouvez aller construire à Weeping Woods, donc juste ici. Moi, je vais aller à Cornycrops parce que c'est tout simplement le plus proche. Donc là, normalement, je devrais presque y être. Ce que vous allez devoir faire, c'est construire 20 constructions. Donc, farmer des matériaux, genre du bois, de la pierre, peu importe. Mais farmer des matériaux pour en avoir au moins 200 dans votre stock. Donc là, je suis à 180. Voilà, normalement, je suis à 200. Donc, je vais construire une petite rampe, voir. Ça fonctionne. Non, là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je vais encore m'avancer un peu plus proche de Cornycrops. Je sais pas si je suis assez proche. Je vais encore avancer un petit peu. Normalement, là, si j'arrive au champ de maïs, normalement, ça devrait être bon. Donc, on va voir. Je construis. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je sais pas pourquoi. Hop, je vais me cacher parce qu'il y a un ennemi. Je vais continuer à construire. Ok, c'est bon. Ça valide bien le défi. J'en ai construit 9. Donc, je continue à construire. Donc là, normalement, j'ai construit pour 20 constructions. Donc, je vais quand même... Ah, je crois que ça va valider le défi, on va voir. Parce que là, j'ai 30 000 XP d'objectifs atteints. Donc, ok, ça va bien valider le défi. Donc, j'ai construit 20 structures à Cornycrops. Maintenant, le troisième défi va me demander d'obtenir du bouclier grâce à des barils de bleuvage. Donc, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des barils de bleuvage. Donc, moi, là, par exemple, tout près de moi, normalement, il y a... des bleuvages qui se trouvent plus ou moins par ici. Oui, c'est près du personnage la saucisse là, Knack, je pense qu'il s'appelle. Donc, je vais aller à cet emplacement là et je vais aller détruire des bleuvages. Donc il faut obtenir du bouclier grâce à des bleuvages. Donc il faut obtenir 32 boucliers. Donc c'est à dire que je vais casser, je pense, un baril de bleuvage. Ça va me donner 25, voire 30. Peut-être qu'il faudra détruire 2 barils de bleuvage pour terminer ce défi. Donc on va bien voir de toute façon. Ok, donc effectivement il y a bien des barils de bleuvage. Regardez, il y en a 2 juste ici. Ah non, il y en a même 4. Et en fait vous allez juste devoir en détruire. Donc là j'en ai détruit combien là? Ah, ça m'a donné que 10. Évidemment il y a un adversaire qui va me prendre la tête. Donc on va détruire les barils avant qu'il me tue. Ouais, évidemment. Hop. Ok, donc là normalement j'ai réussi le défi. Ah merde, il n'y a pas de pneus dans le bazar. Il n'y a pas de pneus dans le véhicule et il veut me tuer. Ah ouais, il m'a tué. Ah, c'est pas grave, je vais relancer une partie. Le prochain défi est de toucher des points faibles en collectant. Donc ok. Mais il y a le dernier défi va me demander de détruire des structures avec un véhicule. Donc je vais relancer et je vais directement me mettre par exemple par ici à Dirty Docks pour obtenir un véhicule. Mais bon, vous dans la continuité de votre défi, je vous conseille d'aller directement à Lazy Lake, juste ici, prendre un véhicule pour le dernier défi et toucher des points faibles en collectant. Ça, je vais vous montrer comment faire. Et pour le défi des barils de bleuvage,
Bah en fait, en réalité, j'ai dû détruire 3 barils pour obtenir 30 parce qu'en fait, ça donne 10 par 10 les barils. Donc, je pensais que ça donnait 25, voire même 30, mais en fait, non, ça donne que 10 par 10. Donc, il faut détruire 3 barils de bleuvage pour terminer le troisième défi du roi de la rouille. Ok, donc ce que je vais faire, comme mon bus s'est apparu par ici vers Craggy, je vais directement aller ici. Donc, c'est au verger, en espérant qu'il y ait un véhicule dans le coin. Ok, je vois pas de véhicule. Ok, donc je vais aller me diriger autre part parce qu'il me faut un véhicule. Ah, là, il y a un véhicule, parfait. On va prendre ce véhicule-là et on va aller détruire des structures avec ce véhicule. Ok, de l'essence, parfait. Alors maintenant, pour réaliser le quatrième défi, c'est de toucher des points faibles en collectant. Donc vous tapez sur un truc, sur n'importe quoi, et ensuite vous avez un point faible. Donc il faut taper sur ce point faible, et il faut taper sur 20 points faibles au total. Donc 1, 2, et là je continue. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un seul objet. Bien entendu, si vous le faites sur un objet qui a plus de points de vie, donc beaucoup de résistance, ben, vous allez faire le défi plus rapidement. Là, je le fais sur des arbres, donc avec 3 coups dans un point faible, ben, ça détruit l'objet. Donc c'est peut-être pas le plus rapide. Mais bon, à côté, j'ai juste un véhicule juste à côté, donc ça me suffit. Là, normalement, c'est bon, j'ai terminé le défi, parfait. Donc maintenant, vous allez devoir détruire des structures avec un véhicule. Donc vous prenez un véhicule et là, vous détruisez des structures. Donc je pense que le petit panneau là, c'est une structure. On va voir. Normalement, ça devrait valider comme une structure. Les barrières, ça aussi, c'est une structure. Donc vous détruisez les barrières, vous détruisez tout ce que vous voyez en fait. Hop, le poteau aussi, normalement, c'est une structure. Hop, regardez, j'ai déjà cette structure détruite. Vous pouvez détruire les arbres aussi. Bon, après, c'est un peu plus compliqué. Ok, là-bas, il y a des barrières. On va aller par là, détruire les barrières. Ce sera plus simple. Okay, donc là, ça me fera une petite dizaine d'objets détruits. De structures détruites. Ok, je suis à 12 avec celle-ci. On peut détruire aussi les grillages qui sont juste là. Ah, ben, j'ai pas assez de vitesse. On va détruire les barrières, détruire le petit panneau stop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à Retiro, non, à Pleasant Park. Vous allez voir là-bas, en fait, ça va être plus facile parce qu'il y a plein de barrières devant les maisons. Il y a énormément de barrières, donc on va déjà détruire celle-ci ici. Regardez ici, il y a vraiment beaucoup de barrières et elles sont faciles à détruire en véhicule. Hop, même les buissons et tout ça. Bon, par contre, l'arbre, c'est un peu plus galère, il faut avoir certaines vitesses. Hop, on va en plein milieu et on détruit tout. Voilà, là j'ai terminé le défi, ce qui termine ben, le guide complet des défis du personnage le roi de la rouille. J'espère que cette vidéo ben, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoumec mec, et ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.